Christophe Lapasse, producteur sur la commune de Verfeil, sur le Ramel plus précisément, et donc du coup limitrophe de Lavaur. J'ai un pied de chaque côté, et je suis propriétaire dans Lavaur, locataire dans l'Haute-Garonne. Enfin. Du coup l'exploitation, c'est une exploitation mixte, bio et conventionnelle, sur 95 hectares en tout, dont 22 qui sont déjà bio. La conversion étant engagée en 2011. Cette année, on a remis 20 hectares de plus en conversion. Donc, du coup, avec deux assolements distincts, l'assolement bio et l'assolement conventionnel, puisque la règle veut qu'on n'ait pas la même culture en bio et en conventionnel. Du coup, il y a des cultures bio et des cultures conventionnelles. Et les cultures conventionnelles sont plus à déboucher alimentation humaine, du coup. Et donc, les cultures sont le blé tendre, le blé dur. Je vends de la farine de blé dur qui n'est pas mon blé dur. Parce que moi, le blé dur, je l'ai sur la partie conventionnelle. Mais je travaille une exploitation attenante, que c'est moi qui travaille. Et le blé dur, donc, du coup, est sur cette exploitation. Et moi, j'achète la graine que je transforme, donc. Et après, j'ai les lentilles et les pois chiches sur la partie bio, le sarrasin. Et après, cette année, bon, on avait essayé d'autres cultures qui n'ont pas été une grande réussite, on dira. J'avais tenté donc de faire un peu de quinoa, un peu de seigle. J'avais un peu d'orge aussi. Et ces trois cultures, ça n'a pas été une réussite. Bon, l'hiver humide qu'on a eu n'a pas été à la faveur de ces cultures-là. Et ensuite, sur la partie conventionnelle, donc c'est quand même une rotation établie au moins sur 4 ans. Donc c'est du colza, suivant le colza, c'est du sorgho. Derrière le sorgho, du tournesol, et derrière le tournesol, le blé dur. Et après, viennent un peuvent venir en substitution à cette rotation type du soja. Cette année, j'ai du soja en conventionnel, parce que je ne l'ai pas en bio, en substitution du tournesol. J'ai quand même du tournesol, mais à moindre mesure. Et après, sur le colza, en remplacement du colza, viennent souvent des porte-graines potagères sur la partie conventionnelle. Donc, de la carotte au porte-graine, de la betterave, j'avais cette année porte-graine, et j'avais même de la coriandre porte-graine qui est venue en substitution de tournesol. Voilà pour ce qui est de l'assolement sur le tour de l'exploitation. Avec un gros îlot sur le ramel, et après quelques îlots un peu excentrés.